Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors, épisode précédent, eh bien, on était arrivé, on avait rentré un petit peu dans le château de Voilorage, on a un peu exploré. On est rentré dans cette première partie du château de Voilorage. Bon, c'est très compliqué, je vous le cache pas. Car en fait, si vous voulez, dans la deuxième partie, je me suis un peu perdu. Je savais plus trop où j'étais, je cherchais à revenir ici justement, ce site de grâce, mais pas moyen. Je me suis fait courir par tous les ennemis de la Terre, d'ailleurs on a croisé des ennemis plutôt horribles, ça présage que du bon vraiment pour la suite, hein. En fait, si vous voulez, j'étais monté sur les toits là-bas et ça s'est très mal terminé, enfin je me suis retrouvé dans des endroits, j'étais complètement paumé. Oui, je m'étais retrouvé dans la cour là-bas un moment, je pense que j'étais sorti là-bas, et je me suis fait accueillir par des mecs là qui ont des tourelles, des balistes, là, enfin c'est horrible. J'ai pas été par là, sur cette falaise, donc je pense qu'on va aller par là dans un premier temps, parce que c'est vrai que le premier endroit où j'avais été, c'était plus là-bas en haut, et je suis monté là-bas. Bon, justement, pour pouvoir atteindre ces toits là-bas. Donc du coup, on va partir ici pour explorer la suite. L'église, on y avait été, on a rencontré un mec qui s'appelle Rogier à l'intérieur. Je crois que c'est un mage, il nous apprend de la magie. Et c'est en sortant, c'est cet enfoiré là-bas, bouclier, qui m'a buté à coup d'épée à travers le mur. Hein, ou c'était un autre de ses sbires avec une hache, je crois qu'il m'a eu à travers le mur en tout cas. Donc ça change pas de Dark Souls 1, 2, 3, hein, c'est le même moteur. Donc y a pas de souci, on est habitué. Tu à qui c'est jamais arrivé, c'est un menteur. Oh, sérieux là? Sérieusement? On est à ce degré de fils de puterie maintenant? Maintenant les corbeaux, c'est des corbeaux kamikazes qui me balancent des tonneaux explosifs en mode... en mode taliban. Non, on en est là. Et lui c'est pareil, hein, il va me faire pareil. Hein. Bon. Il en a rien à foutre. Ok, c'est... Non mais c'est bien. Allez. Putain. Vous êtes des cinglés, hein. Visiblement ils s'en battent les couilles de la posture. Ah, quel enfer cette saloperie. Bon. On s'en sort un petit peu. Y'a quoi là-bas? Je n'avais pas vu ça. Intéressant. C'est intéressant aussi ça. Y'a du loot. Et ça me branche par contre, je vais essayer d'y aller. Tant qu'on l'a vu, hein. Ah putain, la baisse, vas-y, j'en peux plus, j'en peux pas. Y'a pas moyen de passer par au-dessus là, d'atterrir au-dessus. Attendez, je vais essayer de voir. Parce que maintenant que je l'ai vu là, j'ai pensé qu'à ça. D'ailleurs, j'ai pas oublié le loot violet qu'il y avait plus bas. Brave gens, vous inquiétez pas. Si vous avez suivi l'autre épisode, c'est un raccourci qu'on doit tout débloquer plus tard, à mon avis, hein. On va monter, je sais qu'il y a un ennemi en haut, oui. Bon par contre je me fais bolosser, ça m'énerve un petit peu là. Parce que le connard il me tire dessus avec son arbalète de mort là. Ah voilà, oui, yes. Voilà. Alors, on avance, on voyage. Je sais qu'il y a un ennemi là, normalement. Oh là 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 là, que sa trompette, là. Ordure. Ça marchera pas. Le petit bâtard. Bah, vous êtes famille nombreuse là, les gars, quand même, hein. Putain. Qui sont chiants. Allez, hop, aïe. Je savais pas qu'il y avait une arbalète, ce con. Allez, c'est bon, on est tranquille. Bon,
bien, c'est qu'il donne pas mal de papillons flamboyants, donc je pourrais refaire des bombes assez rapidement. C'était là-bas qu'il fallait que j'aille, je crois. Hein. De ce côté-là, ouais, de ce côté-là. Est-ce que je peux? La question que je me pose. Est-ce qu'on peut aller là? Ouais, ça c'est bon. On peut aller là aussi. C'est là-bas surtout que je veux aller. On va essayer de sauter de truc en truc. Écoutez, on va bien voir. Normalement, il n'y a pas de danger. Ah, c'est ça que je voulais. Non! Ah, fait chier, j'ai mal sauté. Bon, on y retourne, c'est pas gênant. En tout cas, c'est possible. Allez. Je suis sûr que la récompense en valait la peine. Ou pas. Parfois, on est déçu. C'est bon. Un mec, il me voit à travers la... Il m'a vu 10 ans après, le mec. Tout va bien. C'est assez long pour retourner ici, c'est ça qui est chiant. Ok, donc là, on va faire attention. Hein. Allez, on prend notre temps, on n'est pas pressé, ça va bien se passer. Voilà. J'ai tellement peur de me rater en fait, si vous voulez. Comment je peux faire? En plus, si je me foire, je perds 8000 âmes, je vous avoue que j'ai le seum. Ok. C'est passé visiblement. Je vais atterrir là aussi? Oui, bien sûr. Ici, voilà. Et ici? J'ai perdu un peu de vie, mais rien de grave, ok. Putain, j'espère que c'est pas un endroit... Je crois que c'est un endroit que j'ai déjà fait, en fait. Et c'est là que je vais avoir le seum total. Ouais, 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 j'ai déjà été ici. J'ai déjà été ici, c'est très bien. Ah la baise. Ah merde, putain, sérieux quoi. Ah ouais, c'est ça ce connard qui est planqué ici là. Ah là là, quel coach, oui, je vais devoir me retaper le connard avec sa hallebarde. Ah oui, d'accord, je raterris ici. Ouais, j'avais pas vraiment remarqué qu'on je venais d'ici en fait. Du coup, ça m'a bait un petit peu. Ah, déception. Attendez, du coup, je vais voir. Du coup, tant que je suis en bas, écoutez, hein, on va voir où est-ce que j'ai raté mon objet, là. C'est cet objet-là qui me rend fou, en fait. Si vous voulez. Je monte par ici, ok. Ah, merde. Je tiens à m'excuser auprès de toute ma commu, hein. Putain, la vidéo de merde. Ah là là, ça sert à rien ce que je fais. Allez, on y retourne. Allez, meurt. Ah, c'est cet objet là, vous aurez compris, c'est cet objet de merde là que je veux. Et je trouve pas le chemin pour y aller en fait. C'est ça qui me rend marteau. Ah ouais, je peux pas y aller. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que je pourrais peut-être tomber d'en haut là, mais c'est chaud quoi, enfin... Allez, meurs, mourrez, bande d'enfoirés. Parce que là, je crois que ça me ramène au début, si je dis pas de conneries, là. Ouais, ça me ramène ici. Ouais, ouais, au début de cette zone de merde. C'est vraiment cet objet que je veux, moi, en fait. Hein. Mais, hein. En fait, je suis pas du bon côté, quoi. C'est ça, le problème. Je vais mettre un repère, écoutez.
Un repère ici. Pour dire que c'est ici qu'il faut que je chope ce truc de merde. Je vais même mettre plutôt un repère trésor, ouais. Plutôt que mettre le truc bleu là. Voilà. Comme ça je pourrais me repérer sur la carte au lieu de me repérer comme ça avec le level design. On va faire ça, écoutez. C'est vrai que j'y ai pas pensé la première fois, j'aurais dû. Ah, c'est vrai que ça donne envie quoi, ça casse les couilles un peu. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez go, on remonte. Hein. Là on est d'accord, ouais, à part ça, attendez. C'est ça, c'est la pierre arnaque de la Terre. Hein. Non, c'est pas... Ouais, c'est de l'autre côté. C'est là-bas, en fait. Faut que je traverse ce truc. D'accord. On va y arriver, hein. Je veux cet objet. C'est violet, en plus. Ça doit forcément être un truc de ouf, quoi. Putain, je peux partir d'ici. C'est bon. Je crois que là, c'est OK, les amis. Ah, c'est bon, putain de merde, c'était con en fait. Oh là là, mais quel idiot quoi, je vous jure. Alors, c'était quoi? Putain, j'ai envie de me la couper. C'était juste une artéria de merde x3. Non. Ah putain, je m'attendais à un truc de ouf, c'était bien planqué en plus. Oh, les boules. Oh, je dis pas que c'est naze, hein, mais putain, merde, j'aurais préféré un truc, genre une fiole supplémentaire ou un truc comme ça, quoi. Là, j'ai un vieux truc qui pue le sexe, quoi. Oh, tiens. Putain, les boules. Bon, tant pis, c'est pas grave, je le vis bien. Ah ouais, toi, par contre, tu vas foutre la paix, je remonte au site de grâce, hein. Dégage, t'es déjà assez casse-couille comme ça, hein. Allez. Casse-toi. Fous-moi la paix. Bon, du coup, je vais continuer par là, moi. Hein. Tant pis, je vais quand même taper les eggs kamikazes, mais bon. J'ai pas le choix. Hein. Allez, on n'oublie pas qu'il y en a deux pour plus de plaisir, n'est-ce pas? Ah bah il a tué son pote, ah bah c'est con. Ah c'est ce qui arrive quand on fait les kamikazes, hein. Parfois il y a des dommages collatéraux, hein. Voilà. Bon, je voulais juste voir. Il n'y avait pas d'objet du coup en plus, ouais non, quand j'atterris là-bas, ouais c'est Bernic. Bon, on peut tomber en dessous ici, hein. Ha. Putain, mais j'en peux plus de ces secrets partout, là, tout le temps. J'ai peur que ce soit tellement des endroits que j'ai déjà été, en fait, et que je me rappelle plus, si vous voulez, que c'est... ça rend parano, hein. Non, bah non, là, il y a un mec, ouais, y a du loot, là, donc forcément, ici, j'y ai pas été, crétin. Ouais, non, c'est pas possible, en plus, c'est trop avancé, quoi. Vous savez quoi, j'ai envie d'y aller, hein. Encore une fois. Forteresse est tellement grande, il y a tellement de secrets à découvrir en fait que... Bon, toi, la vue elle est dingo. Hein. La prochaine zone elle donne vraiment envie, franchement, c'est un truc de malade. Hein. Quand on voit les trucs là, pff, c'est un truc de fou. Ok. On va voir si t'essaies de tomber ici pour choper cet objet. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un bouclier en bois entaché, merci, c'est ce que j'ai toujours voulu. Là, je sais pas du tout où je vais atterrir. J'ai entendu un aigle de merde.
Alors c'est ma putain d'imagination, je sais pas. En tout cas, je suis ici et je fais quoi maintenant? Parce que là, je vois pas trop d'endroits où je peux me barrer, hein. À moins que je me la coupe. Non, ici. Ok. C'est bon. Ah. J'ai cru que j'étais mort, là. Hein. Putain, j'ai du mal à tuer, lui. Pique ton pédé, d'accord. Putain, c'était scripté, en fait, et je suis tombé dans les herbes. Du coup, je suis pas mort. Putain, what? Putain, c'est quoi cette exploration de titan, quoi? Ah, ça, là, c'était cool, par contre, hein. Là, j'ai cru que j'étais mort, hein. Je fais, mais c'est bâtard. De mon test explorer secret pour prendre un objet, t'es obligé de crever. Enfin, c'est vraiment un truc d'enculé. Non. Mais c'est le boss que je me suis tapé. Sans déconner, il y a des mobs. C'est le boss que je me suis tapé dans la geôle, là-bas, le mec, là. Donc, on se les tape en trash mob, maintenant. Putain, mais c'est horrible. Oh, je vais essayer de lui mettre un backstab, hein, mais ça va être compliqué, hein. Enfin, s'il est aussi violent que le boss, là, bah après, je connais ses patterns, hein, c'est l'avantage, hein, je l'ai assez farmé, mais... Oh là 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 là. Ouais. Ouais. On se tape en trash mob. Bon, là, la reine, elle est un peu dégueulasse, hein, elle pue la merde. Merde. Ouais. Ouais. Allez. On reste focus. Entraînement. Entraînement à payer, je vais pas me laisser baiser comme ça, hein. Ah, c'est crapuleux de me mettre un mec comme ça ici, par contre, hein. Allez, on reste focus. Fumier, va. Oh là 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 là. Je voulais absolument me soigner, brave Jean. Et soigner contre lui, c'est compliqué, hein, c'est ça l'arnaque. J'espère qu'il va pas se transformer en archange là, parce que ça va me casser les couilles, hein, je vous le dis. J'aurais dû passer dans son dos là. Allez, allez. Cette attaque-là, c'est le meilleur moment pour lui placer deux coups, hein. Comme ça. Ah bah super, bah là, je suis bien. Il va me casser les couilles comme pas possible. Donc en fait, il te le remet vraiment en mode x2, quoi. C'est ignoble. C'est ignoble, en vrai. On va parer ses coups, hein, on va y arriver, hein, c'est bon. Je vais prendre sa dernière phase, par contre, il va me casser les couilles, mais bon. Allez, viens là. D'accord. Raté. Ouais, voilà, ça de sa dernière phase où il fait son putain de coup de queue là. En fait, on se retape le boss en fait, quoi. Donc j'ai bien fait de m'entraîner dans les geôles, quoi. Le bâtard, il l'a mis retardement. D'habitude, il fait pas ça, hein. Allez, t'es mort. T'es mort, espèce d'enfoiré, ça mérite un putain de salut, là. Aspect creusé, corne. Pfff, espèce d'enfoiré, va, putain.
Et bah heureusement que je me suis entraîné contre eux, hein. Bon, sympa le secret, mais très crapuleux, hein. Franchement, c'était pas nécessaire ici, quoi. Pierre de forge sont moqués. Eh ben, le château, il a quand même ses bons secrets, hein. On se tape un truc comme ça ici, quoi. Ah là là. Bon, tant que je m'en tape pas deux en même temps, ça me va, hein. Bon, j'ose à penser qu'ils ont pas été bâtards au point de nous en mettre un deuxième. Ou nous mettre des ennemis juste après ça, parce que ça serait vraiment, mais... Ça serait trop, quoi. Ah, par contre, on a un raccourci avec l'ascenseur, quoi. D'accord. En même temps, c'est normal, hein. On va pouvoir remonter. Très bien. C'est de fouiller, parce qu'on peut en plus remonter par là-haut. Je vais d'abord l'activer, quand même. Toujours utile. Il n'y a rien en dessous, c'est le vide absolu. Ouais, ok. Ça marche. Je voulais juste à droite, là-bas. Voir s'il n'y avait pas un truc au-dessus. Ah, bien sûr, il y a un truc. L'Ulysse de Trina. Bon, bah nickel. C'est bon, on a pris tout ce qu'on avait à prendre, là. On affronte un putain de trash mob. On appelle l'ascenseur et on se casse. Mais d'ailleurs, c'est quand tu veux, hein. Putain, c'est long, hein. Allez, hop. Regarde en même temps s'il n'y a pas un endroit où je peux me laisser tomber, quoi, mais j'ai pas l'impression. Tout ce bordel. Ok. Ça a l'air de se bastonner pas mal, hein. Ok, donc bah, je pense qu'on va se reposer, on va encore se retaper les aigles, parce que j'aimerais bien aller jusqu'au bout de là-bas quand même, quoi. Bon, je suis désolé, hein, ça fait 2-3 fois qu'on fait ce truc-là. Mais bon. Là, c'est bon, je crois que c'est la bonne, hein. Et vous voyez, il faut être curieux. On a quand même des récompenses sympas, hein. Ok. Allez hop, c'est bon, on les a défoncés là. Maintenant je peux continuer esprit tranquille, j'ai rien oublié. Et ça c'est bien. Je suis allé voir là-bas. Y'a pas un truc? J'en étais sûr! Putain, là, là! Il y avait trop de bidons explosifs, c'était pas normal, hein, franchement. Allez. Enfin, je l'ai senti saloperie, quoi. Pierre de forge niveau 2, cool! C'est grâce à ça que je pourrais améliorer mon Uchigatana niveau supérieur, et ça, c'est cool. Comment s'en trouver, c'est pas trop tôt, putain. Ça prouve que je suis dans la bonne zone, quoi. Y'a quoi d'autre là-bas? C'est vrai que j'ai pas testé la forteresse de nuit, en fait. Là, on est au crépuscule. Je sais pas s'il y a des nouveaux trucs qui changent, ça serait énorme. En vrai. Ah putain, j'arrive à la chapelle, en fait. Ok, d'accord. Putain, en plus, ça descend encore là-bas, il y a des chauves-souris, il y a du loot en bas, mais putain, il y a tellement d'endroits, c'est immonde, quoi. Attendez, mais j'étais déjà arrivé là, en fait. Oh, putain, mais j'avais réussi à aller jusqu'ici, en fait. Il me restait plus qu'à aller là-bas, avancer sur la muraille, et j'étais revenu au feu de camp, en fait. La dernière fois, je viens de m'en rendre compte. Mais quel connard! Putain de merde, ok.
Ah putain, j'étais pas loin du but. Ah merde, les boules. Je suis déçu. Ah l'arnaque. Bon bah écoutez, c'est le jeu hein. En tout cas, ce que je vois, c'est que là, je vais encore me taper un ennemi hyper casse-burne. Ouais. C'est pour ça que je pense que je vais d'abord essayer de tuer son sbire, parce que sinon ça va être infernal hein. Je pense que je peux me laisser tomber, y a pas de danger, je vais pas mourir. Et lui, on va le tuer, hein. Trop dangereux. Allez, mon con, viens te battre. Allez, hop. Ouais, sauf que ça passe plus, mec. Ok. Eh putain. C'est quoi ce timing de merde, quoi? Ah, un seul mec, ça te met en PLS, quoi. C'est terrible, hein. Bon, du coup, j'avais déjà été par là, hein, donc forcément, pas besoin d'y retourner. J'ai déjà plus que 3 potions de soins à un joueur. Et j'ai pas le choix de les buter si je veux avancer correctement en fait quoi. T'en as pas trop le choix. À moins que je veuille descendre là, mais je pense qu'il y a rien. Donc là ouais, c'est vrai qu'il y a un truc là. On verra. Il y a des rats au-dessus là-bas, mais c'est un coach. Allez, bon du coup cette zone donc on est à peu près hein. Et là on va avoir ouais, l'autre connard là, je m'en rappelle. Mais dégage-toi. C'est lui qui m'avait tué à travers le mur, cet enfoiré là. Bah lui en bas là par contre, j'aimerais bien me le faire, mais... Ça risque d'être un peu compliqué, je vous le cache pas. Ça risque d'être tendu. C'est un peu le mec qui nous a buté au début du jeu, hein. Même si là on est un peu mieux préparé, ça va rester compliqué. Il y a un truc à ramasser là-bas, j'y vais. Oh. Discrètement. Allez hop. Tel un petit galopin. Pas de saumure dorée, ok. Je vais passer par ici, et bah voilà, je vais faire le tour et je vais... Ah, c'est là que je suis mort. Ok, super. On peut monter, yes. Où est-ce que je suis, bordel? Ah, je peux tomber par ici. Ah, mais là, je connais, ouais, je me rappelle, c'était une des cours que j'avais vues. Ah voilà, je peux tomber de l'autre côté de la carcasse où il y avait le géant. D'accord. Voilà, toi tu meurs, casse-toi. Je peux ouvrir, ok. Oh putain, merde. Ok. Ouais, il y a des... C'est un petit raccourci, je pense. Ah donc j'arrive ici, ok, très bien. Ah, il est pas mort, ça me saoule. Viande de tortue au mur, quoi, ok. Et dame pierre, bah voilà, c'est la deuxième que je prends. Oh, toi mon con. Tac. Allez, bouffe.
Ouais, c'est bon, il m'a pas vu. Donc j'ai récupéré mes âmes, ça va. Il va me faire chier là. Connard. Putain, il y a encore un sbire là, mais c'est pas vrai. Ouais, il me balance des cailloux, va te faire foutre. Merde. Ah là 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 là, ça m'en fout la distance. Allez hop. Bon, je vous cache pas que lui, j'aimerais bien me le faire, hein, Jean-Michel, là-bas. Tu jettes une grenade, ça fait quoi? Ok. D'accord, il vient jusqu'ici, en fait. Ça, je l'ai pas vu venir. Alors, les dégâts, par contre, je crois que ça va être ridicule, hein. Ouais, ok, ça va être compliqué, hein. Attendez pas un miracle de toute manière, hein. C'est comme si j'affrontais un boss avec deux barres de vie, quoi. Génial, merci. Y'a pas une attaque où il saute, cet enfoiré, là. Je vous avoue que ça m'aiderait. Non, il tourne autour de moi, il m'encule, ok. Non, mais là, je vais pas réussir, en fait, hein. Je vais juste me faire baiser la gueule. J'aimerais bien le tuer, hein, mais... Y'a pas moyen que je l'arnaque en lui tombant dessus, en fait. Vous savez, je monte et puis je tombe dessus à répétition et jusqu'à ce qu'il crève. Ou alors, je vais en haut, je lui tire dessus à l'arc, en fait, hein. Ouais, c'est une autre possibilité de lâche, mais ça marche. Je vous avoue que cette possibilité me va bien. Et me correspond bien. J'ai bien envie de la faire. Écoutez. On va la tester. Je m'en bats les couilles. J'ai un touché bâtard. On va monter. Il esquive les flèches quand même, hein. Ouais. Il esquivera pas tout, mon con. Quoi? Pardon? Mais ça, c'est une arnaque! Il sort d'où, lui? Mais il sort d'où, putain? J'avais entendu du bruit, mais il est arrivé dans mon dos. Mais c'est quoi son problème? Putain, mais... Ok, très bien. Pas de soucis, j'accepte. Mais depuis tout à l'heure, je suis là, il est pas venu. Et là, je tire à l'arc et il vient, il me casse les couilles, quoi. Donc c'est pas normal, quoi. Enfin, soit. Hein. Des fois, tu comprends pas trop, hein. Ce qui leur passe par la tête... Allez, dégage, voilà. On y retourne, pas grave. Ils sont gentils, m'attaquent un par un. Allez, dégagez. Putain, quelle ordure. De toute façon, j'ai assez de munitions pour me fabriquer des flèches en os et tout. Je vais essayer de le baiser à distance parce que... Il est vraiment immonde, lui, hein. J'essaie de faire à la loyale, mais c'est chaud, quoi. On va essayer de l'arnaquer.
Pas plus mal. En parlant d'arnaquer là. Comment que je les passe sans qu'ils me cassent les couilles, en fait je vais tomber, je vais courir en fait. Ils sont vraiment chiants les deux là. Si je peux les éviter les mecs en armure là, je le fais parce que c'est. Ils sont trop chiants. Hein. Ah, il m'a vu, mais c'est pas vrai, putain. Il m'a vu l'autre en armure ou pas? Oh, bien sûr que oui. Eh ben, je vais devoir me le taper, j'ai pas le choix, parce que sinon, il va me casser les pieds jusqu'à l'infini et l'au-delà, quoi. Bonjour. Si tu te casses la gueule, ce serait magique. Allez, dégage. Non, il est pas tombé. Ah bah non, il tombe pas. Bah eux, ils tombent pas. Il y a des murs invisibles qui les empêchent de tomber. Putain, je vous jure, fais chier. Pourquoi ils ont retiré le coup de pied, ces connards, quoi, je vous jure. Ah, mais ça, c'est bullshit. Tu peux même pas te placer dans son dos, quoi. Putain, c'est chiant. Allez, viens, on se bat dans un couloir, c'est de la merde, viens ici. Allez, ta gueule. D'être quand même ultra chiant. Ah, putain. Oui, je vais quand même me le faire parce qu'il va me casser les couilles, je le sens. La gueule, voilà. Là, et toi là, espèce de connard, viens là. Viens là, viens là. Parce que là, tu m'as vraiment pété les couilles, toi. Hein. Et d'une force, t'imagines même pas, quoi. J'ai pas compris, c'était quoi ton putain de problème, hein. Merde, connard. Ah là là, ce délai. Putain, mais vous cassez les couilles. Non, ce délai. Mais putain, sans déconner. J'en ai marre de faire battre par des spires là, c'est bon. Allez, dégage, voilà, putain, vengeance. Et reste bien mort, enfoiré. Putain, merde à la fin. La pièce est belle après ici, hein. C'est ouf. La ferme. La ferme. Voilà, ça dégage. Je récupère mes âmes. Vous allez dégager vite fait. Ça y voit rien, lui, il est aveugle. Voilà. Alors, bon, maintenant que j'ai la paix là, enfin. Peut-être prendre l'arbalète même. J'ai retiré mon casque, on sait jamais, quelquefois je me ferai encore baiser la gueule, hein, n'est-ce pas? L'arbalète, c'est vrai que je l'ai pas encore testé. Ouais.
Allez, bouffe. Ça, il bouffe bien l'arbalète, hein, ça s'est pété, hein. Ouais, forcément. Je peux pas esquiver là, t'es contre un mur, mon con. Ah, mais genre, mec, il était bloqué contre le mur, quoi, hein. On va t'avoir comme ça. Moi j'ai tout mon temps. C'est marrant qu'ils esquivent quand même quoi, c'est... Ils y ont pensé les devs quand même hein. Je me méfie parce que... J'ai peur qu'il puisse me taper en dessous cet enfoiré en fait là. Bah comme ça c'est pas normal qu'il fasse ça quoi, enfin... C'est quoi ces coups que j'entends là-bas, enfin... C'est passé quoi là? Ah il a des pop! D'accord! Ah ouais, ça va, c'est pratique, ça. Enfin, je vous jure. Non, ça, c'est trop... Ça va, il me l'avait fait tout à l'heure, hein, mais bon... Voilà, hein, je me fais baiser la gueule, évidemment. Ah, il gueule, là. Est-ce que je peux essayer peut-être de lui mettre quelques coups à la loyale là? Non, c'est pas possible, il va me défoncer. Il va me défoncer la gueule, je peux pas. Faut que je l'arnaque. S'ils sont cinglés de mettre ça à partir d'ici, quoi. C'est un peu le boss qui nous a cassé la gueule au début du jeu quand même, hein. Faut l'oublier, hein. Ah, putain, je crois qu'il allait revenir ici, t'in, faut arrêter, hein. Super, j'ai tout raté, j'ai raté ma vie, voilà. J'aimerais bien le tuer, hein, ce con. Il est bloqué? Non, non, il est pas bloqué, il avance, là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais merde! T'es un malade, Bernard! Bon, je vais reprendre mon arc, là, hein. Ça devient chiant. Ouais, je vais reprendre mon arc. Allez, je vais gaspiller les dernières munitions d'arc que j'ai, parce que là, il est immonde, ce mob-là. Franchement, j'espère qu'il repop pas, hein. Bâtard, putain, il m'énerve. Un connard. Tiens, dans la tête. Ouf. Il a pas aimé. Non, putain, il refait la même. Hein. Il me saoule, hein. Je te jure. Oh. Quel bâtard. Bon. Mais j'ai cru qu'il arrête. Mais il fait combien de combos? Il en fait 12. C'est un truc de fou. J'arrive même pas à lui en placer une, c'est incroyable. Oh, il est chiant, mais... Oh là là. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il est casse-burne? C'est un truc de fou, hein. J'arrive pas à le tuer, hein. Mais j'arrive pas à le tuer, c'est ouf.
Allez, meurs! Oh, putain! Sans déconner, hein. Tout ça pour me donner que dalle, quoi, en plus, hein. Il est vraiment là pour faire chier, basta, quoi. J'ai même pas eu de loot, j'ai rien eu, quoi. Il sert à rien, ce mob. À part te casser les couilles, il faut le passer, quoi. T'as pas le choix. Oh, mon Dieu, quoi. C'est pas possible. Ah, le monstre de merde, quoi. Il rend fou, en plus. Oh, non, non, c'est vrai que je me rappelle le 2. J'avais oublié. Ouais, ça, c'est le truc... J'ai un ascenseur, là? Ah, bah je l'avais raté ça aussi, bah c'est cool, merci, bienvenue. Bon du coup j'ai viré l'arc, hein. Bon de la manière dont je l'ai battu, je suis pas très fier, mais bon ça, faut avouer que c'est quand même un sacré mine merde, hein. Là les patterns à lire, ils sont infernales, j'ai pas envie quoi. Là clairement j'ai pas envie quoi. Allez hop, on redescend par là. Y'a rien en dessous? Juste par curiosité. Non, y'a le trou noir, ok. Ça marche. Ah, par contre, il revient pas, lui. D'accord, donc c'est vraiment un trash mob. On gagne rien en le tuant. Si ce n'est que des âmes. Donc on gagne que dalle, et en plus, il réapparaît pas. Bah, d'accord. Pff, c'est très bizarre. J'aurais au moins gagné de donner un objet, quoi. Visiblement, non, c'est trop demandé. Ah, putain, là-bas, je vais devoir aller là-bas. Je vais me faire chier. C'était la cour là que j'avais vu tous les ennemis. Ah, oh, quel cauchemar. Elle meurt, voilà. Je crois qu'il n'y a pas moyen, je vais devoir vraiment passer par cette entrée de merde avec tous les ennemis qui cassent les couilles, quoi. Ça, c'est immonde, quoi. Gardez-moi ce bordel, quoi. Je fais comment, moi? C'est pas par là, c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir un autre chemin, c'est pas possible. Vous avez vu le barrage? Putain, on se croirait à la douane. On se croirait à la frontière Ukraine-Russie, là. Putain, merde. C'est chaud. Ah. Après, je vais devoir essayer, mais de mémoire, je crois qu'il me restait des passages à explorer vers le haut, là. C'est pas eux qui m'intéressent vraiment, mais bon. Essayer de remonter, peut-être. Parce que là, clairement, c'est un putain de plan cul, hein. Enfin, il... Ouais, là aussi, là-bas aussi, c'est un plan cul, je vais pas y aller. Et là, je crois que c'est l'endroit d'où je viens. Oui, après, je peux mettre ça, hein. Oui, c'est vrai, il est vrai que je peux mettre une clé lame-pierre pour avancer. D'accord, deux gros Billy Boy. Il est mort, voilà. Lame d'affûtage de fer, je sais pas ce que c'est. Ça sera utile sûrement plus tard. Et ça, c'est bouclier en bois d'aquilin, ok. Miséricorde, ah, c'est une rapière ça. Putain, bâtard! Dégage, voilà. Papillon flamboyant, ouais, c'était le mec qu'on voyait avant ici, très bien. Bon bah j'ai ouvert cette pièce pour du loot quoi, écoutez, bah c'est très bon. Alors montrez un peu miséricorde là. Ça m'intéresse un petit peu là. Alors les culs bestiales, c'est vrai qu'en fait, il fait le même poids que les culs que j'ai ici en fait. Et il a un peu plus de résistance. J'ai pas pensé à mon équipe la dernière fois. Erreur de ma part. Ah par contre il est un peu plus lourd. Non? Je fume du mauvais shit. Ah bah non mais il me faut l'Ushigatana en fait connard. Putain mais... Normal ça. Crétin là. Bah.
Attendez, je refais mon inventaire. Hein. Ouais, ok, il est mieux, on est d'accord. Il protège un peu moins contre le sacré, mais globalement, il est mieux, quoi. Il faut la torche aussi, ça serait mieux. Voilà, super, voilà, je suis rééquipé, tout va bien, on continue. Bon. Moi, je vais remonter. Ouais, attends, j'ai failli me faire baiser, hein. On appelle la plateforme. Enfin, je sais pas combien de vidéos on est rendu avec ces conneries, mais là, c'est vrai que j'ai tâtonné, j'ai vraiment rien branlé, là. On a fait quelques secrets, hein, mais bon, j'ai pas avancé comme je l'aurais souhaité, en fait, si vous voulez. Donc on va faire la vidéo un peu plus longue que d'habitude, tant pis. On va se reposer parce que ouais, j'ai plus de fleuilles. Ah si, j'ai encore mes 5 fioles en fait. Donc tout va bien. Oui, je veux monter en fait. Je veux encore monter. Voilà. Là, j'ai bien Multi Katana 3. C'est bon, c'est parfait. Laisse-moi tranquille. C'est vrai que j'ai encore 10 000 âmes, j'aurais peut-être dû les dépenser. Fermez-la. Allez hop, moi je vous lâche. Ciao les losers. Ils me suivent? C'est une blague. Bah, c'est jusque là quand même. Ah, ils tombent mais ouais d'accord, ok. Ah c'est vrai que lui était bien sympa dans son genre aussi lui. Allez hop casse-toi. C'est vrai qu'il était sympathique dans son genre lui aussi, je l'avais oublié hein. Très taquin. Oui c'est là que je voulais aller, voilà. C'est ici. D'ailleurs ouais, je crois que la cour là elle est en bas là où c'est le Delbor là, ouais. Donc c'est ici que je veux aller. Ok, donc on va y aller tout de suite. Il y a que là que j'ai pas exploré de toute façon. C'est l'endroit que j'avais en tête, brave Jean. Voilà. Parce qu'après, si j'allais là-bas, je crois que si je descends ici, oui, je rejoins la statue de merde et je retourne là où il y avait l'espèce de putain de araignée dégueulasse, là. Donc ok, là, je suis revenu où est-ce que je voulais aller. Ok. C'est très cool, hein. Bon, toi, mon con, c'est toi que je vais tuer en premier. Sinon, tu vas me péter les couilles. Ouais, sûr. J'ai voulu faire un backstab, hein, mais bon, je vous jure que j'ai voulu. Hein. Mais quel enculé, hein. Allez. Ouf. Bouffe tes grands morts. Hop là. Ça, tu t'arrêtes quand tu veux, hein. Ah, le coup des stocks de merde, là. Ouais, le coup retardement, ça, j'ai du mal, hein. Ça, c'est ignoble, quoi. Ça a toujours été chiant. Et ça continue à l'être. Y a pas de soucis, hein. Allez, dégage, t'es mort, voilà. Fous-moi la paix. Ah putain, cette zone-là, si vous avez pas XP avant, je sais pas comment vous faites, hein, parce que là, je suis en galère, hein. C'est vraiment chaud, hein. Ah non, mais là, je suis à l'entrée, en fait. Hein. En fait, ça me ramène à l'entrée si je passe par là. Putain, d'accord. Ah, faut s'accrocher, hein. Putain, faut vraiment s'accrocher, les gars. La vache. C'est vrai que j'ai la contre-attaque, j'y pense jamais, hein.
Orc, c'est fort. Manuel du guerrier nomade, d'accord, je vais apprendre des nouvelles recettes pour le craft, bah, c'est bien ça. Par des gourlasses. J'ai l'impression que ça va me ramener à l'entrée du truc, quoi. Je vais avoir le seum. Il y a une échelle, on est d'accord, hein. Ouais, ok. J'essaie de descendre par là, du coup. Parce que là, on est carrément à l'entrée hein, du donjon, là. Hein. Encore une fois, le level design très bien foutu. Hein. C'est... On s'y retrouve au final, quoi. Même si c'est compliqué. Ah, boy. Ouais, merci mon con. Allez, dégage, voilà. Il baisera pas la gueule comme ça, voilà. Bon, le pont de merde. Putain, la vache, il y a des ennemis partout. Regardez-moi ce bordel, quoi. C'est chaud, hein, si tu passes par l'entrée principale. Oh non. Bah oui, toujours plus. C'est vrai que dans le même temps, c'est beaucoup de plaisir. Hein. Allez, casse-toi. Ah, si tu fais ça, mec, t'es gratos hein, pour moi. Hein. Leur armure est stylée. Je tiens à le préciser. Et vous êtes tellement relou, quoi, en vrai. Un truc de fou, hein. Ah, putain. Sale con. Allez, bouffe! Non, le coup retardement, voilà! Toujours le même putain de problème! Il me baisse la gueule à chaque fois, ce putain de coup retardement, quoi. J'ai pas le timing sur cette esquive et c'est, ça m'en fout, en fait. Ah là là, le bon sel! Et c'est ça qui est bon, hein, bien sûr. Alors, un doigt sanglant suppurant. Je... Ok, c'est peut-être pour le multi ou c'est pour du... De toute façon, faudra regarder tous ces objets-là, hein, de toute manière. Allez, ça continue, putain, ça continue. Le long de ta vie, là, ça continue. Je sais même pas où je vais, là. Pas d'ennemis. J'en aurais mis un là, moi. Lol. Des flèches, c'est bien, j'en avais besoin. Ok. Atterrir où avec ces conneries, moi? Non, je peux pas traverser, il faut... D'accord. Une dorée 4. Là, je viens... D'accord, j'atterris carrément à l'entrée, en fait. Là, ouais. Là, je suis vraiment à l'entrée, quoi. Entrée du donge. Eh bien... Pourquoi il n'y a pas la statue pour rentrer en fait ici? Normalement elle devrait être là quoi. Peut-être qu'elle doit être de l'autre côté en fait là-bas. Ouais ouais, elle doit vraiment être de l'autre côté. J'ai juste regardé au-dessus si elle est pas là mais... à mon avis elle est de l'autre côté hein. Mais si je peux sécuriser... Oui je viens d'y penser. Si je peux sécuriser l'entrée en fait... Ouais non, il n'y a pas, il n'y a pas. Si je peux sécuriser l'entrée en pétant les balises et tout le merdier, je peux passer par l'entrée principale après, on me tirera plus dessus. Et ça, ça a pas de prix. Ça, ça sera un putain de raccourci, quoi. Est-ce que je vais essayer de débloquer? Écoutez, hein, de toute manière, j'ai pas trop le choix.
énormément de balistes. Ça, lui, il est sourd, visiblement. Ouais. Voilà, une baliste en moins. C'est ça qu'on va essayer de faire, hein. Tout cassé. Allez hop, voilà, ça dégage, tout ça. Ce beau monde, tout le monde crève. Quand ça prend 10 ans à détruire, la masse c'est pas plus rapide. Non, c'est kiff-kiff, hein. Ouais, c'est kiff-kiff. Si on prend un demain. C'est un peu plus rapide à demain. Pierre de fort, ah cool, je peux améliorer mon Nishikatana en plus 4. Juste avant un combat de boss, potentiellement, ça fait du bien, quoi. Dégage, voilà. Pierre de forge 1, bon, pas utile, hein. On tire dessus. C'est mon con. Ah, il y a un site de grâce là-bas. Et c'est très bien. Ouais, par contre, ça va être compliqué là. Aïe, j'ai pris un coup, je sais pas ce que j'ai pris là. Ok, celui à la hache il est mort, c'était plus chiant. Ça me va. Ouais, il reste un paquet quand même, il reste 4, hein. 5. Il y en a un paquet en moins là. Eh, ça va aller les gars là. Vous prenez pour Léonidas ou quoi? Putain. Ah merde, je vous jure. Bon voilà, c'est bon. Ah non, il y en a encore, hein. Putain, c'est ouf, hein. Vous êtes combien, les gars? Famille nombreuse. Putain, terrible. Ah, bon sang. Ça, c'était l'entrée principale, du coup, ça mène ici. Si on est bon. Je peux ouvrir la porte. Ah, la porte est ouverte et là, ça sera beaucoup moins compliqué. Ouais, évidemment. Je repasse par ici vu que j'ai pété toutes les mecs aux arbalètes, quoi. Ça, c'est bon. Super, nickel. Chemise d'ordinaire de sujet, ok. Ah là, on retourne ouais, voir notre pote, là, en bas. D'accord. Très bien. Du coup, on va continuer un petit peu. De toute façon, on est à côté d'un site de grâce, maintenant. Donc, il peut plus rien nous arriver de méchant. On va ramasser juste ça. Carreau de balise, si tu m'étonnes. Et les runes. Bon, finalement, on a quand même avancé, ça va. Je dis pas, on a libéré un raccourci, là. Ça va. C'est pas plus mal.
Non, non, j'ai pas signé pour souffrir! Ça, je l'ai pas vu venir! Putain de merde, je m'attendais pas à voir un truc comme ça ici. Ok, les gars! Ok, guys! Écoutez, vous savez quoi, on va se reposer, les amis, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que CSP continue à vous plaire autant qu'à moi, c'est génial. Même si je râle beaucoup, mais c'est du bon sel, hein. C'est parce que c'est pour éprouver mon amour envers le jeu, bien évidemment. Allez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, si c'est le cas, vous abonner à la chaîne, et à cliquer sur la cloche de notification, bien évidemment. Allez, des bisous, ciao, portez-vous bien, salutations.